Hello à tous et à toutes, c'est Bogos67. On est pour vous montrer un peu des jeux et tout là. Bon, on va montrer un placard. Donc on a mis une console Xbox 360 là. On le voit pas trop bien, mais pas grave. Et là, je veux dire, c'est bon. Là, c'est tous les jeux que j'ai. Il n'y a pas qu'un petit Ghost. Okay. Il joue à cache-cache, Call of Duty Ghost. Il joue à cache-cache. Vous voulez regarder? La télé. Il y a la lune. C'est ça qui fait la lumière. On dirait qu'il y a la lune. Des tricks, des tricks, tricks. On va pas bien, on va pas bien. Ils font caca partout. Ah, t'es là, Call of Duty Ghost. J'ai trouvé Call of Duty Ghost. Voilà, on s'en fout. On va vous montrer des nouvelles vidéos sur Internet. On va faire avec la Kinect. Bon, là, je filme avec le portable. Comme tout à l'heure, un peu. On va vous montrer une vidéo. Il y a un bug. Super. On va faire un mot un peu comme Robo Boxer style. Alors, Xbox, profil 1, profil 1, ça c'est moi, Vogue 67. Xbox, Xbox, Gamescom, 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 Xbox, Gamescom, Gamescom, Gamescom. Mais je me suis trompé là. Annulé. Annulé. Ouais, on va faire avec la main. Ah, il faut qu'il se casse. Allez, casse-toi. Facile, hein. Il a quoi? Call of Duty? Il y a Call of Duty? Non, il n'y a pas Call of Duty Ghost. Il y a ni Call of Duty avant de se voir pas. Allez. Yep. Et il y a Mad Max. Je me suis trompé, punaise, je suis con. On va appuyer le pause, là, c'est obligé. Gamescom 2013, 2015. Donc, on va regarder Mad Max 4, le jeu. On va avancer. Have been sighted, driven most likely for an assault on our flagship.
tell me, son. Tell me what? Tell me why I shouldn't land a slug right between your eyes. If you hope to survive, navigate the flood, escape the past that forever haunts you, then open your eyes. In the darkest hour, the believer standing upon the sacred sand will behold the true light. I'm looking out. There's nothing. Look again. It's right there in front of you. Disponible par Xbox One et PlayStation 4. Non, ce truc de Mad Max était bien parce que je l'ai vu le film aussi. Mad Max Fury Road, donc c'est Mad Max 4. On va mettre Just Cause 3. Just Cause 3. Oh, Just Cause 2, je l'ai fait sur une vidéo sur YouTube. J'ai même fait sur la démo en 2012. Et donc je l'ai acheté en 2013. Eh ben il est bien fait. Oh là là, il peut se mettre en envers. On peut pas se mettre en envers dans le dodge, tu peux accrocher avec les cordes. Ah, y'a un bug. Ah, ça va. Y'a encore un bug. Mais c'est un petit bug, ça va. C'est un petit peu rien du tout. On voit un peu mal, c'est pas grave. Moi, il est meurt ce jeu-là. Ah, il est mieux que le 2. Le 2, il est bien, mais celui-là, il est plus meurt. Mais le 2 aussi, il est trop bien. Mais celui-là, il est encore plus meurt parce que tu peux faire les ailes. Et tu peux même faire. En plus, c'est bien fait en HD. Et regarde, c'est bien fait les mitrailleuses et tout, c'est un FPS et tout. Regarde, quand il explose l'avion, c'est bien fait. Ouais, il est trop bien fait. Just Cause 3. Ouais. Oh ouais, moi je l'ai le 2 là. Donc il y a le 3 qui va te sortir. Just Cause 2. Et bien voilà, Just Cause 2. Il était bien le jeu et tout. J'ai acheté en 2013. J'ai téléchargé en 2012 la démo. Il était sorti en 2010. Allez, adieu. Un bisou. Bon, qu'est-ce qu'il y a? On va mettre. Non, mais c'est qui ce mec là? C'est pas Serge Neger. Attends, on va voir, c'est qui? C'est pas Serge Neger. Non. On va avancer. Alors, c'est rien lui ce mec là. Oh, il craque dans 3, c'est bon, c'est la vérité maintenant. Attends, on va voir si c'est la vérité. Craque dans 3. Cela, je l'ai téléchargé en démon 2013, le 2. Et aussi, je l'ai acheté direct en les vacances 2013. 2014, je m'en fous. Ah, c'est la vérité maintenant. Tout à l'heure, c'était l'escroc. Bah, déjà, depuis tout à l'heure, il coûtait pas cher, le 2. But what happens when evil comes out of the shadows? We do what we always do. Ah, bien le jeu. We go to work. Dang. Déjà, on a vu tout à l'heure le truc. Le 1 aussi, il était bien. T'as pas de casque, mais il est bien. Il est meilleur le 2 parce que c'est vraiment une guerre. Ah, il invente des jeux. Ok. Race through the streets in a transforming vehicle. Qu'est-ce qu'il y a? And use your powerful abilities to stop a ruthless criminal empire. Ah, il me fait. Delivers the classic gameplay. En plus, il y a des robots. Dans le ça là, le 2, il y a des zombies, des flics bizarres un peu, mais il n'y a pas de robots. Mais ça, c'est vraiment un truc de futur. Hein. Le 1 et le 2, c'est un peu futur. Mais ça, c'est vraiment. Hein. C'est vraiment Call of Duty avant de sortir, on dirait.
Même le dos aussi, mais cela est encore plus. Ah d'accord. C'est les dollars contre les argent. Les argent contre les dollars. Je croyais que c'est les cellules. C'est les cellules dollars, c'est ça? Il n'y a pas de frics. S'il y a des frics, je l'aime. Bah ça va, je l'aime quand même, c'est bien fait. Ah il est mieux que le 2. Hein. Mais des fois le 2 c'est nul. Parce que la fin du 2 elle est nulle. Mais on va vous faire la fin du 2. Peut-être la prochaine fois. Mais il était bien, ça va. Le début du fin était bien, comme quand le petit gosse. Game. Montage. Ah, le 3 qui va sortir. Ah, il est bien le jeu. Crackdown. Aucun du tout. Il n'y a même pas marqué 3. Ah, là oui. En plus, c'est bien fait. Ouais. En 2016. Mamma mia. Non mais qu'est-ce qu'il fout? Et il sera un Xbox 360. Et voilà. Crackdown 2. Il y a des freaks aussi. Moi je préfère un peu le 2 que le 3. Parce que t'as un casque. Et aussi il y a des freaks. Freaks. Nous le freaks. On le voit pas trop bien. Là on tape un freaks. Lui là, il est là le freaks. C'est comme un zombie là. On le voit pas trop bien. J'ai acheté en 2000. Quoi? Encore 13. Il y a des trucs un peu 12, mais beaucoup 13. Bon ben. Adios. Je te fais un bisou sur le 2. Allez, à côté de Just Cause 2. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre encore? On va mettre. Quel jeu? Halo 5? Bon, d'accord. On va mettre Halo 5 parce que je l'ai pas, j'ai aucun d'Halo moi. J'ai même pas de Dead Space 2. Même pas Dead Space, je veux dire. Moi je préfère le 3, hein, dans ta coup. Dans ta coup, le 3 il est mieux que le. Que le 2 et le 1. Le 2 sont bien, mais c'est juste que le 1 il est plus flippant que le 2. Halo 4. Ah, ils ont des exos maintenant, mais c'est pareil. Il y a un jetpack dans le 2. Dans le 5. Dans le 4, tu peux sauter haut, mais t'as pas d'exo. T'as pas un truc d'exo bizarre là. Jetpack. T'as vu là. Mais c'est vrai, dans le 4 aussi, t'as un truc d'exo là. Exo. Pas un exosquelette. T'as ça là, un fusée. Mais le fusée, juste qu'il avance tout droit, c'est tout. Normalement. Ah, ce fusil. Il n'y a pas Fred. Fred, c'est un truc de malade. Moi je préfère le 4 parce que c'est 2012 un peu, fin 2012. Oh il y a des Fred. C'est comme Dead Space. Ou des Extinction Alien là, Ghost et tout là. C'est un truc de fou. Oh, hey, il y a un exo en plus. C'est pareil déjà. Halo 5, multijoueur. Moi c'est un truc de exosquelette là. Ok, X. Rien de plus. On va faire la Kinect. Encore une. Alors, on va appuyer pause. Donc là, je vais mettre FIFA. FIFA 16, il va bientôt sortir. FIFA 2016. Après, FIFA 17. Le jeu préféré à Sofiane. Ah, il est bien. FIFA 16, il va bientôt sortir. Déjà c'est marqué. Yo les gens, c'est déjà la fin de la vidéo avec Xbox One Dali.